Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une routine, donc morning et night routine en même temps. Donc une journée dans ma peau, à la montagne, et j'espère que ça vous plaira. Just going home, have a late, late show. Alors souvent le matin je me faisais réveiller par mes sœurs qui parlaient très fort, mais on se réveillait vers 8h30, 9h pour pouvoir faire des trucs le matin. Souvent je me réveille direct et le matin je mange pas parce que je continue à faire le jeûne intermittent. Donc je prends juste soit du thé, soit du café, ça dépend ce qu'il y a. Donc ce matin là c'était un thé. Bon, ensuite, je me maquillais un peu. Alors, je me maquille pas du tout le temps en vacances ou même dans la vie de tous les jours. Mais c'est juste que là, j'avais une énorme poussée d'allergie et ça me saoulait parce que je voulais faire des photos le matin. Et donc voilà, ça explique ma tête un petit peu chelou durant la vidéo. Ok, donc là, on va aller se balader. Aujourd'hui, il neige beaucoup. Donc voilà, elle est très loin. Hier, on a fait une assez grosse balade. Ok, ensuite je vais m'habiller, on s'habille un peu comme pour le ski, mais en moins complexe on va dire, parce que t'as moins froid que quand t'es sur les pistes vu qu'on monte moins haut. Et ensuite on est parti se balader, mon père a eu un drone donc je vous laisse regarder les petits plans. Ensuite l'après-midi, donc après on mangeait en famille mais je vous ai pas trop montré, j'essayais de taffer, c'est vrai que j'étais pas hyper productive non plus, mais j'ai essayé de faire notamment du montage et mon CV, et puis entre temps je vais faire une petite pause avec un petit café et je vous laisse voir les paysages parce que c'était trop beau. On était dans un chalet à la montagne, au Carélis, pour ceux qui connaissent, et voilà, c'était vachement cool, même si on pouvait pas skier, c'était quand même hyper dépaysant. Ensuite, en ce moment, j'essaie de tester la nouvelle fonctionnalité qui ressemble au TikTok, parce que j'aime pas du tout TikTok, sur Instagram, et n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, voilà, j'essaie de me donner un petit peu de mal. Et donc, comme vous pouvez le voir, comme je vous le disais tout à l'heure, je fais mon CV, et c'est fatigant. Ensuite, j'ai pris une petite douche, vachement compliquée, voilà, je pense que vous savez ce qu'est une douche, j'ai pas besoin de vous montrer. Et ensuite, j'ai mangé avec ma famille, et pareil, j'ai encore oublié de filmer, ensuite, brossage de dents. Et après, souvent, je vais regarder une petite série sur Netflix, et en ce moment, j'ai commencé la nouvelle série dont vous entendez un peu parler, je sais pas comment le titre se prononce, et je l'ai finie, et elle est vachement cool, je vous invite vraiment à la regarder, il y a que 8 épisodes, et c'est hyper intéressant. Ensuite, au dodo, ok, cette scène était un total fake, parce que j'avais oublié de la filmer, donc on l'a faite le lendemain, mais voilà, je pense que vous aurez remarqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était assez courte. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des routines comme ça, et j'aime beaucoup faire ça au niveau du montage, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que votre année se passera très bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, je vous fais des gros bisous, et bye.